quartier qui borde la plage Ngouja au sud de Mayotte s'étend un herbier sous-marin où broutent en permanence des tortues vertes. Passionné par ces reptiles aquatiques, Ali Marie travaille pour la Brigade de protection des tortues de Mayotte. Et ce matin, il est venu poser sur ces animaux psylles des bagues qui permettront de les identifier. Les tortues vertes se nourrissent d'herbiers, d'un arbre qu'on trouve sur le platier. Et donc, elles sont bien à l'abri dans le lagon. Elles ont la nourriture sur place. Elles ont les plages pour pondre. Alors, on a pensé qu'elles étaient sédentaires pour ça, quoi. Et comme on a beaucoup d'accouplements, on était convaincus. Et avec le marquage Bagmonel, on s'est aperçu que les tortues d'ici peuvent aller jusqu'à Madame. Et avec les balises argos qu'on a posées, on a posé sur 4 tortues femelles des balises argos. On s'est aperçu qu'elles peuvent aller carrément jusqu'à la côte mozambicaine. Toutes les informations collectées sur le terrain sont rassemblées et analysées par le service environnement de la direction des eaux et forêts. La DAF a en effet mis en place quelques années un observatoire des tortues marines. Ali Marie est chargée de l'encadrement technique et scientifique des agents qui surveillent en permanence jour et nuit les plages de Moya et Sazilé. Une des principales missions des agents est la lutte acharnée qu'ils mènent contre le braquage. Massacrées pour leur chair, les tortues femelles sont le plus souvent victimes de braconniers, surtout lorsqu'elles viennent pondre sur les plages, au grand désespoir d'Ali Marie qui ne retrouve plus que leur carapace. Ça, c'est une corde qui a servi pour ligoter la tortue. Et normalement, on est tombé sur un braconnage, mais on n'a pas pu retrouver les gens. Et ils se servent exactement de la même méthode. Donc, je crois savoir qui c'est, quoi. Faut-il le prouver, c'est ça le problème, quoi. Malgré les efforts entrepris depuis quelque temps par les pouvoirs publics, mais aussi par le milieu associatif, pour sensibiliser la population, le braconnage traditionnel fait encore des ravages à Mayotte, à tel point que l'on ne dénombre plus qu'une pour 10 mâles. L'accouplement peut durer 6 heures, pendant lesquelles le mâle reste tranquillement accroché sur le dos de la femelle. Une fois fécondée, celle-ci devra encore fournir de gros efforts pour creuser un nid dans le sable et y pondre entre 100 et 150 œufs. Alors en fait, il y a ponte et après la ponte, 68 à 75 jours sur Sazilé. Les juvéniles sortent du sable vers la surface. Il y a la prédation qui commence déjà sur la plage par les corbeaux, les chiens, les bernards, l'ermite. Le plus quand elles sont arrivées en mer, quoi, parce que là, il y a les barracudas, les carangles, enfin beaucoup de poissons qui les attendent. Et on estime au niveau mondial qu'il n'y en a qu'une qui arrive à survivre sur 1000 œufs pondus. Après un long voyage à travers l'océan, les tortues femelles qui survivront jusqu'à l'âge adulte reviendront pondre sur les plages où elles sont nées, perpétuant ainsi le cycle d'une des plus anciennes créatures vivantes de notre planète. Et c'est cet équilibre bien fragile qu'Ali Marie et ses amis ont pour mission de protéger. À Mayotte, on n'a pas l'or, on n'a pas le diamant, alors essayons de préserver le peu de richesse qu'on a, c'est-à-dire l'environnement et en particulier la tortue.